schéma, les amis. Merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont donné du soutien dans la vidéo où j'expliquais un petit peu ce qui s'était passé. Donc là, j'ai vu tous ces messages-là et tout ça. J'ai pas mis de petits cœurs, c'est que je les ai pas encore vus. Mais en gros, pour les gens qui me disent « Ouais, trop dommage pour ton compte, etc. » je sais pas si je me suis mal exprimée dans la vidéo, mais en fait, j'ai récupéré mon compte. Hein. Voilà, regardez, là, je suis connectée sur mon compte. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Hein. Je l'ai récupéré, je l'ai. Hein, et la vidéo que j'ai postée du coup samedi, donc je sais pas, cette vidéo je pense que je la posterai dimanche, mais du coup aujourd'hui on est samedi, ce matin la vidéo sortie, c'était une vidéo que j'avais tournée je crois la veille de mon piratage, je sais plus trop. Mais dans tous les cas j'ai récupéré mon compte parce que c'est vrai que j'ai reçu pas mal de commentaires sur ma dernière vidéo en me disant ah mais t'as pu récupérer ton compte etc, donc je sais pas si je me suis mal exprimée ou quoi, mais en tout cas vous inquiétez pas, j'ai bien récupéré mon compte, j'ai changé le mot de passe. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Par contre, il s'est produit quelque chose d'autre entre-temps. Je vais vous montrer un flashback de vidéo dans lequel j'ai tourné parce que j'ai reçu un message de nouveau de cette fameuse Svetlana sur Discord. Je vous mets le petit flashback vidéo. Donc comme vous pouvez le constater, elle me dit que ben mes Robux, mais que c'est déjà fait. Alors je comprends pas trop, donc... je suis allée voir, c'était bah, je crois ce matin, je sais plus, je suis allée voir sur mon compte et effectivement je remarque que j'ai plus que 4 Robux. Alors je sais plus exactement combien que j'en avais avant, mais en tout cas pas 4 Robux. Et je vous avoue que je n'ai pas remarqué à la vidéo précédente que je vous ai faite. Je pense que j'étais tellement stressée par la situation que je n'ai même pas fait attention à mes Robux. Alors que, enfin, techniquement c'est la première chose que l'on regarde quand on se reconnecte sur son compte. Mais moi, honnêtement, c'est pas ça qui... Voilà, moi, je pense que j'ai eu plus peur pour mon compte que pour mes Robux. En tout cas, j'ai changé le mot de passe, je le rappelle encore une fois. Mais je comprends pas où sont passés mes Robux. Comment la personne... En fait, j'ai rien de nouveau, en fait. J'ai rien acheté. Et je voulais savoir si c'est possible de donner des Robux de son compte à un autre compte. Enfin, il me semblait que c'était pas possible. Mais du coup, je comprends pas où est-ce que ces Robux sont partis. Puisque, j'ai pas plus de trucs... Ou en tout cas, je l'ai pas remarqué. J'ai pas plus de trucs qu'avant. Là, regardez, je vous montre. Donc ça, c'est une transaction. Voilà, j'ai pris un petit screen. Voilà, donc là, j'ai pris un petit screen de mon, du mail que j'ai reçu. Bon, j'ai juste enlevé le numéro de transaction parce que j'ai peur qu'il y a des gens qui peuvent l'utiliser pour faire quelque chose. Donc, on sait jamais. J'ai donc juste mis ça. Et bon, j'ai mis un petit smiley pas content. Hein, mettez une note sur 20 de mon smiley pas content parce qu'il est vraiment pas content. Donc là vous remarquez, date de transaction, donc c'était le 15 mars, donc je crois que c'était 6 ou 7 jours avant, une semaine, ouais allez, une semaine avant le piratage de mon compte. J'ai peut-être acheté 2-3 trucs, hein, 23,99€, je sais plus, je crois que c'est 2000 Robux, je sais pas, je sais plus combien ça représente en Robux, mais c'est quand même beaucoup, enfin, ouais il me semble que c'est quand même pas mal, hein, non c'est 1000 Robux, 2000, je sais pas. On va acheter des Robux, bah c'est 1700 parce que moi j'ai pas pris le truc d'abonnement. J'ai pas pris le truc d'abonnement à 2200 par mois de Robux. J'ai pris celui normal parce que j'ai pas envie de prendre d'abonnement parce que bon, c'est bon hein, déjà que je fais pas assez de vues hein, pour me prendre des 239€ de Robux, d'accord. Donc pas d'abonnement, mais donc effectivement j'ai pris 1700 Robux. Je sais pas, j'ai dû acheter 2-3 trucs, mais genre pas cher, j'ai dû repayer mon serveur à 100 Robux sur Brookhaven, donc bon, je devais avoir quand même pas moins de 1500 Robux, ce qui n'est pas rien, enfin je suis désolée, moi je trouve ça beaucoup, je trouve ça énorme, et je sais pas où il est passé, je comprends pas très bien. Et en fait, on va aller voir sur le compte à Svetlana, là, comment ça s'écrit, Sv... je crois que c'était YTB, un truc comme ça. Partie. Bah, de toute façon, elle est dans mes amis, je l'ai pas enlevé. Il y a pas mal de gens en commentaire qui m'ont dit « Ouais, faut que tu l'enlèves de tes amis, etc. » Ah, il y a un truc qui a changé. Deux trucs qu'ils ont changé. Je sais pas si vous avez remarqué d'autres choses qu'ils ont changé sur son compte. Bah déjà, elle a plus d'amis. Ah bah c'est cool, hein, j'ai fait la plus belle vidéo. Non, mais sérieux, les gars. Vous avez pas peur de l'ajouter en ami? Vous avez pas peur? Vous dites pas peut-être qu'en fait, elle a que les gens, ses amis, en fait. Mais non, il y a plusieurs choses qu'ils ont changé. Déjà, ça, oui, effectivement, elle a beaucoup plus d'amis qu'avant, donc je suis plus sa seule amie, hein, parce qu'avant, elle avait marqué qu'un seul ami. Elle a 4 abonnés, hein. Et bah déjà, son skin, il a changé. C'est plus le même. Alors, à moins qu'elle... Ouais, peut-être qu'en fait, elle s'est acheté des trucs avec mes Robux, mais je sais pas. C'est possible d'acheter des trucs et les renvoyer? Mais déjà, son skin, il est plus le même. Enfin, je sais pas si ça coûte cher son skin ou pas, mais en tout cas,
c'est pas le même. Je préférais celui d'avant, hein, honnêtement, je préférais celui d'avant. Je sais pas pourquoi elle l'a changé. Peut-être qu'elle est éco sur son. Non, je verrai si elle est éco sur son compte. Mais là, il y a également ça. Donc, dans la vidéo d'avant, au montage, j'avais rajouté le truc où il y avait marqué j'ai hacké 15L, un truc comme ça. Parce que je l'avais pas remarqué au moment où je filmais, donc je l'ai ajouté au montage. Et là, ça a été remplacé par Content Deleted. Je pense pas que ce soit elle qui ait mis ce message parce que, bah. C'est en anglais, c'est trop bien écrit que ce soit elle. Alors, je suis désolée, Svetlana, je sais pas si t'es bilingue. Mais je trouve que c'est trop bien écrit. Est-ce que c'est pas genre. Vu qu'il y avait marqué le mot hacker, ou j'ai hacké 15L dans son à propos, et que peut-être que ben, Roblox n'a pas trop aimé ça, et du coup, ils lui ont supprimé son à propos. Je sais pas, c'est quoi alias. Ah, ça veut dire que je peux moi-même rajouter. Il n'y a que toi qui puisses voir cela. J'ai envie de mettre un gros mot, mais vu que je suis en train d'enregistrer, on va peut-être éviter. Hein. J'ai juste marqué la voleuse, voilà. J'ai très gentil, hein, très très gentil. Je l'appelais alias la voleuse, qui m'a piqué mes Robux. Enfin, je pense que c'est elle aussi, hein. C'est elle qui me l'a dit en message Discord, donc forcément, je vois pas qui ça pourrait être d'autre. Donc voilà, il y a ça qui a changé. Donc je disais le à propos, son skin et ses amis. Donc, moi, je vous avoue, je l'ai laissé dans mes amis. Mais entre temps, mon compte il est toujours là. Il y a, enfin, à part les Robux qui ont disparu, mais je pense que les Robux ils avaient déjà disparu avant, sauf que je ne l'avais pas remarqué. Voilà. Donc en fait, je fais cette vidéo déjà d'une pour vous dire de faire attention et surtout pour vous demander comment c'est possible qu'elle ait pu prendre mes Robux. Comment c'est possible? En fait, je comprends pas trop. Je crois qu'on peut acheter des Robux pour quelqu'un d'autre, genre les cartes cadeaux, etc. Mais moi, vraiment, j'avais acheté les Robux sur mon compte. Ils étaient vraiment sur mon compte. C'était pas une carte cadeau que j'avais. Sinon, même si c'était une carte cadeau, je vois pas où elle aurait pu avoir le code parce qu'elle avait pas accès à mon mail. En tout cas, bref, voilà, petite vidéo rapide, même si j'aime bien parler. Voilà, donc j'espère que vous allez m'aider, j'espère que vous allez me donner des tips. Est-ce que vous vous êtes déjà fait arnaquer, hacker, pirater? Dites-moi vos expériences dans les commentaires, dites-moi comment vous avez fait, si vous avez réussi à récupérer ce qui vous appartenait, donc par exemple vos Robux ou même votre compte, hein, ça pourra toujours servir à d'autres personnes qui regardent les commentaires. Et sur ce, moi je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très bientôt. Je pense que la prochaine vidéo ce sera mercredi. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à bonne fin de dimanche, à bientôt, ciao ciao.